Bon matin! Aujourd'hui, on est le 9 mars. Je débute ma journée en me faisant un café. Et sur le programme aujourd'hui, pas de parc ce matin, mais je dois filmer le tour de l'hôtel All Star Sports. Ensuite, je pense qu'on va aller déjeuner à un restaurant hors site et peut-être aller faire un tour au Outlets sur Vineland pour voir s'il n'y a pas la marchandise en rabais discontinuée. C'est l'outlet que je préfère entre lui et puis The International Drives qui ont les deux, le Character Warehouse. Donc, un Character Warehouse, c'est vraiment la marchandise des parcs thématiques de Disney qui se ramasse là et ça peut aller jusqu'à 96% de rabais. Donc, ça peut valoir la peine. Et ensuite, je vais faire un tour à l'épicerie pour acheter des petits trucs pour en remontant en voiture pour qu'on ait lunch et tout ça. Et ce soir, je pense qu'on va aller à Epcot, mais j'ai une réservation pour Hollywood. Ça, ça va pas super bien. On va devoir aller scanner à Hollywood pour ensuite aller à Epcot en gondole. Mais c'est pas grave, on fait avec. Donc, accompagnez-moi pour cette journée, dernière journée à Disney World. Hyacinthe, je m'en vais filmer le tour de Spurt et je débute tout le temps au lobby. Je monte tout le temps à la section du lobby parce que je vais faire la tournée de toutes les sections. Puis à chaque fois que je suis dans une section, je dois arrêter la vidéo et je prends des photos de la section. Donc voici mon processus et je dois également filmer des clips pour TikTok et Instagram, tout ça. Donc je fais ça ce matin. Il est 7h47. Bobby Evans. Très bel avant-midi jusqu'à présent. Déjeuner, Bob Evans. Ensuite, on est allé au Outlet sur Vineland pour le Character Warehouse. On a fait quelques achats et on est retourné à l'hôtel. On a mangé une pizza pour 20$ plus taxe, la pizza pepperoni fromage. Et là, on va à Hollywood puisque c'est le parc que j'ai réservé aujourd'hui. Donc, je dois aller scanner, voir changer de parc. C'est le règlement avec les billets parc hopper. Et l'option barcopper, ben, elle est comprise dans ma passe annuelle. Donc je vais aller scanner à Hollywood. Je vais aller voir s'ils ont des Nuimo. Donc les petits toutous qu'on peut habiller. Parce que j'aimerais ça m'en acheter un. J'ai acheté des petits outfits au outlet, pas trop cher. À 2$ le outfit. Donc j'aimerais ça avoir une petite mascotte pour le vlog. Et ensuite on va se diriger à Epcot en Skyliner. C'est tellement beau! Belle visite à Hollywood! Ladies and gentlemen, welcome aboard the Disney's... You are on the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Riviera Resort with continuing flights to Epcot. Are gonna think about your tickets singing almost there? Just leave it on there.
Donc on vient tout juste de manger au Catcher Grill et j'ai pris le repas pour enfants et divers trucs là, pour le review. Mais le repas pour enfants au Catcher Grill, sincèrement, très bonne valeur qualité prix. Ça venait avec un breuvage et également un biscuit. La portion était assez généreuse, donc très satisfaite là, du repas en général. Et je crois qu'on va poursuivre le World Showcase. On est présentement à Epcot pour la soirée. On attend un peu avant de faire des manèges, il est 4h36, puisque en fin de soirée, normalement, il y a de la portion avec Figment, Living with the Land, Soarin', Nemo et Spaceship Earth. Ça vient avec très peu d'attente et on peut faire toutes les attractions là, avec une attente très minime. Donc on attend pour ça et ensuite on va faire des manèges plus tard en soirée. Listening with your imagination. The good times roll. You win one cent. Figment, don't. What? Oh. So bad. I love this part. I love this part. Thousand edible plant species in the Spaceship Earth.